Le roi du monde. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce bouille la petite lion chaud. Le gang. Oh, je suis trop jalouse. Romana, Romana. Romana. Hermès and Dior, no caca in the house. Only peach. Peach, yes. Yes. Ta chienne, elle fait caca partout. Peach and Marie. Peach and Marie. Peach and Marie. You're only one. Yes. Non, mais on t'aime. Mais bébé, j'ai eu trop peur. J'étais à la douche et moi, genre, quand je me lave, j'aime trop qu'on me regarde me laver. Je sais pas pourquoi. Donc, tout le temps, je demande à quelqu'un de rester avec moi et mes copines. Et là, d'un coup, la lumière, elle a fait POM! Tout a sauté. Et ça fait que sauter là dans ma chambre. J'ai trop, trop peur. Alors que j'appelais mon propriétaire et l'électricien, il est venu. Il m'a dit c'est bon, il n'y a plus de problème. Il y a juste la coiffeuse à arranger et tout. Bah, ça a sauté. C'est la première fois que ça me fait ça. Mais bébé, je suis en train de faire un gâteau yaourt. C'est moi qui fais, hein. Prenez votre pot de yaourt, vous le rincez, vous le séchez avec du sopalin et vous mettez de la farine à l'intérieur. Et il faut mettre 3 pots de farine. Et je vous explique, c'est une recette secrète. Faut vraiment la donner à personne, je vous la donne juste à vous, mes bébés. Ensuite, il faut mélanger. Et c'est ma recette secrète. Hein. Attention. Hein. Ensuite, 2 pots de sucre. On va mettre de l'extrait de vanille. De la vanille comme ça. Du sucre vanillé et un demi sachet de levure chimique. Et après, je vous mets pour l'huile. Et ensuite, il faut mettre de l'huile. La moitié. Pour moi, je vais manger. Alors, attendez, je goûte. Je vous dis si c'est bon. En vrai, c'était pas ma recette. Mais je vous dis si c'est bon. Cro-cro bon, mais. Cro-cro sucré. Ouais, je vais attraper le diabète. Regardez mes gâteaux, comment ils sont trop trop mignons. Mes bébés, aujourd'hui j'ai vraiment passé un dimanche de feignante. Je suis restée toute la journée à la maison, j'ai regardé la télé. Mais franchement, ça m'a fait du bien. Demain, ça y est, la semaine elle commence, j'ai plein de choses à faire. Mais déjà, je vais commencer par aller faire des UV et aller faire mes cils, parce qu'il m'en reste plus beaucoup. J'ai envie de faire un vrai volume russe et j'ai trouvé quelqu'un à Dubaï, mes bébés. Demain, je la teste et si elle est bien, je vous partage le contact pour mes bébés de Dubaï. Mes bébés, là, je vais faire ma petite toilette du soir avant d'aller mettre au lit. J'ai envie de retrouver un bon rythme, donc de dormir tôt. Donc moi, le soir, je me démêle les cheveux, je me lave les dents, je me lave le visage, je mets ma crème hydratante. Et c'est vrai que moi, que ce soit pour mes cheveux ou pour mon visage, je change souvent de routine. Parce qu'après, en fait, quand j'habitue mes cheveux ou ma peau à une routine, après, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que ça fonctionne plus. Donc, je mets pas toujours, genre, c'est pour ça que je me lave pas les cheveux avec le même shampoing, genre, pendant un an. Non, je peux prendre la même marque et prendre d'autres gammes de la même marque. Mais j'ai jamais de routines qui sont très très longues. Maximum, mes routines, c'est genre un mois, puis je change de gamme. Parce que sinon, après, toujours, j'ai l'impression que ce soit pour ma peau, pour mes cheveux, que ça fonctionne plus. Et depuis que je fais ça, tout va bien pour ma peau et mes cheveux. Voilà, bon, largement, ma peau, c'est un peu une catastrophe. Et en fait, c'est parce que j'ai mes ragnagna. Donc là, mon bouton et tout que j'ai eu, ce bouton d'hormone, même j'en ai eu un là. Bouton d'hormone, je déteste ça. Et mes bébés, hier, donc je me suis lavé les cheveux et j'ai utilisé mon shampoing et mon masque Maybe Paris. Ils sont trop bien, regardez mes cheveux, comment ils sont trop beaux. En plus, moi, que ce soit pour mes cheveux ou pour ma peau, je préfère les produits qui sont naturels. Et c'est une marque qui est naturelle, je vais vous montrer. Donc là, vous avez le shampoing et là, vous avez le masque. Et déjà, c'est trop bon. Et je vous jure que... Jusqu'à maintenant, alors que j'ai aussi mis du parfum pour cheveux, mes cheveux sentent, ils sentent trop bon, ça sent de mon oeil, j'adore la senteur
du mon oeil. Même mon parfum, c'est Soleil Blanc de Tom Ford et ça sent de mon oeil. Ça, c'est le masque, mes bébés. Alors déjà, ils sentent trop bon. Je vous jure, je l'ai ouvert. Ils sentent mais tellement bon, le mon oeil. J'aime trop l'odeur du mon oeil. Et bref, c'est un masque qui est super concentré en kératine et acide hyaluronique. Il est trop bien. Il répare les cheveux, il donne de la souplesse, de la brillance. Il est incroyable. Et mes bébés, d'habitude, le lendemain de soirée, mes cheveux, ils sont tout pas beaux et tout, ils sont secs. Et là, ils sont encore souples et tout. Non, franchement, il est trop bien. Surtout le soin. Donc, le soin, vous pouvez l'utiliser de deux façons. Donc, soit un soin Botox, c'est-à-dire que vous laissez poser 30 minutes à 1 heure. Ou alors, en soin, ce que je fais, c'est que j'en mets sur les pointes et puis je laisse pas trop poser et je laisse directement. Mais ça fait de trop, trop beaux cheveux. Là, je suis pas trop bien coiffée. Mais... En fait, je me suis mise à utiliser le shampoing et le masque de chez Make Du Paris parce qu'à la base, j'utilisais leur sérum pousse parce qu'ici, j'avais eu des trous. Je vous ai déjà dit, hein, j'étais tombée enceinte et du coup, les hormones m'ont fait perdre mes cheveux. Et donc, en fait, j'utilisais le sérum pousse. J'en mettais ici et après, je passais la machine comme ça et il y a tout qui a repoussé. Voilà, j'ai plus de trous. Donc, je suis trop contente. Et donc, du coup, j'ai vu sur leur site qu'ils avaient aussi shampoing et masque. J'ai voulu tester. Et franchement, leurs produits sont géniaux, tous. Franchement, la marque Make Du Paris, mes bébés, 10 sur 10. En plus, c'est des produits qui sont naturels. J'ai une offre de moins 40%. Elle est valable seulement pour les 150 premières commandes. Donc, je vous partage ça à l'écrit. Et mes bébés, pour ceux qui me demandent, cette machine, je ne l'ai pas prise sur le site internet Make Du Paris. Je l'ai prise sur Amazon. Ça coûte, je sais pas, une dizaine d'euros, même pas. Et c'est trop bien. En fait, regardez, il y a plein de petits pics. Et en fait, pour ceux qui ont des trous ou quoi, je pense pas que ça marche pour la calvitie. Mais ceux qui ont des trous ou quoi, vous mettez un sérum pousse. Et du coup, celui de chez Make Du Paris, il est trop bien. Et ensuite, vous passez la machine. Et genre, faut vraiment la passer fort. Faut vraiment que vous ayez mal. Genre, limite, vous vous faites saigner. Et après, ben, ça va faire des trous. Et les cheveux vont pousser dedans. Mais ça marche vraiment. Moi, ça a marché. Et je vous jure, à cause des hormones, mes bébés, j'avais des trous de ouf. Et je faisais ça tout le temps. Bon, là, je le fais parce que je vous en parlais. Mais en vrai, je le fais moins qu'avant parce que ça a repoussé. Mais ça marche trop, trop bien. Je vous jure. Ok, y a rien. Attendez, le bruit est... Mais bébé, je vous explique. Là, je me suis mise au lit. Là, mon objectif, c'est de reprendre un bon rythme. Je veux dormir tôt et je veux me coucher tôt. En fait, j'ai envie d'avoir un rythme normal. Déjà, depuis que je suis revenue à Dubaï, je suis complètement déréglée. Mais je pense que c'est le jet lag parce qu'il y a quand même 3 heures de décalage avec la France. Mais là, en fait, j'ai envie... d'avoir un vrai rythme, c'est-à-dire que la semaine, me coucher tôt et me lever tôt, et le week-end, faire des grasses maths et sortir que le week-end, genre sortir une fois par semaine, voilà, le samedi soir, et faire la grasse maths que le week-end. Donc là, c'est mon objectif et je vais m'y tenir. Donc là, il est 21h30, je vais dormir.